Bonjour à tous. C'est un peu spécial pour moi d'être ici devant vous. C'est très émouvant. Et je me dis que la vie est surprenante. Elle est surprenante parce qu'il y a un an à peu près, j'étais grimé comme un Touareg. Je dormais par terre, j'étais enchaîné. Et j'avais pas vraiment d'espoir de sortir. Durant ces deux dernières années, les deux questions qui m'habitaient, c'était quand et comment tout cela va-t-il finir? J'étais loin de me douter qu'en France, en Martinique, ma famille, mes proches, mes amis, des gens qui ne connaissaient même pas, épaulés par des milliers d'autres, se mobilisaient, faisaient tout leur possible pour répondre à ces deux questions et puis pour me rendre ma liberté. Ce qui aujourd'hui m'émeut dans ce qui se passe là, c'est que je suis un Martiniquais qui n'a pas revu son île depuis l'âge de 5 ans. Ma famille, j'en connais une partie, je les redécouvre aujourd'hui. Mais dans l'adversité, quand il m'est arrivé ça, tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas, se sont mobilisés pour tenter de faire quelque chose. Et ça me semble démesuré, ça me semble fou, mais ça me touche énormément. Tout est allé très vite, je me souviens, je suis en retour de ce jour, quand j'ai reçu l'annonce de ma liberté. Alors c'est quelque chose de très lapidaire, un message comme ça sur une application audio, sur un vieux portable qu'on m'a tendu, et qui disait, c'est ce mot-là que j'ai retenu dans ma tête et que j'ai encore, dans les 15 jours qui viennent, si tout va bien, tu vas sortir, Inch'Allah. Tu vas sortir. Et c'est ça que j'avais dans la tête. Et aujourd'hui, on est un an après, je suis devant vous, je suis libre, je suis en Martinique. Et c'est génial et je vous le dois. Et j'aimerais vous remercier de tout mon cœur là-dessus. Et faire un merci aussi tout particulier à Peggy, que je ne connaissais pas du tout. Sans elle, il n'y aurait pas une telle ampleur, il n'y aurait pas cette mobilisation. Donc un grand, grand merci, Peggy. Vraiment, je te dois quelque chose, très fort. Je vous dois quelque chose. Et voilà, vous prouvez, par ce que vous avez fait, que quand on s'assemble, quand on est tous unis, rien ne résiste. Donc j'aimerais vous dire un grand merci à tous. C'est peu, mais c'est sincère. Et un grand merci à tous.